Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs du congrès pour leur invitation. C'est un honneur pour moi de participer aux premières journées d'ophtalmologie de la wilaya de Béjaïa. Aujourd'hui, nous allons parler du cross-linking transépithélial du collagène cornéen à l'aide d'une antisclérale. C'est un travail de groupe que nous avons effectué au sein du centre Ibn al-Haytham l'année dernière, que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêts. En guise d'introduction, avec de plus de 3000 références PubMed sur le sujet les 20 dernières années, le cross-linking du collagène cornéen pour kératocone est un sujet en perpétuelle évolution. Si le protocole de Dresde reste la référence, de nouvelles propositions alternatives ont vu le jour depuis 2003 afin d'améliorer la procédure tout en conservant son efficacité. Comment fonctionne le cross-linking? Pour être bref, le terme de cross-linking, qui signifie réticulation, est utilisé pour désigner la formation de liaisons chimiques entre des protéines ou d'autres molécules suite à l'application de chaleur, d'une pression ou de radiation sur un tissu. Le fonctionnement du cross-linking repose sur le concept de photoréticulation du collagène présent dans la matrice du stroma cornéen. L'augmentation de la densité du pontage moléculaire permet de durcir la cornée, qui résiste mieux aux micro-traumatismes répétés liés au frottement, qui sont principalement à l'origine de la maladie. Un peu d'histoire. C'est en 1998, à l'hôpital de Dresde, en Allemagne, que le premier cross-linking sur kératocone a été pratiqué. Le protocole de Dresde consiste en 30 minutes d'imprégnation avec de la riboflavine à 1% et 30 minutes d'exposition aux UVA à 340 nanomètres à une fluorescence de 3 milliwatts par centimètre carré, une fois l'épithélium cornéen central retiré sur 8 mm, c'est-à-dire en mode épi-off. La première évolution du protocole de Dresde fut celle de l'accélération du cross-linking. Celle-ci s'accompagne d'une pénétration plus superficielle qui semble néanmoins suffisante. La réduction des UVA à 3 minutes et l'augmentation maximale de l'irradiance à 30 milliwatts par centimètre carré est la limite établie. La deuxième évolution, après celle de l'accélération, fut la perméabilisation à la riboflavine de l'épithélium. Celle-ci se fait à l'aide de conservateurs, Tris, EDTA, vitamine E, qui ont permis d'améliorer son passage. Les développements modernes des cross-linking à venir vont donc ainsi s'orienter vers un cross-linking EpiOn, plutôt accéléré, pour plus de convivialité péropératoire, moins de risques infectieux et moins de douleurs post-opératoires. Entrons dans le vif du sujet en ce qui concerne notre étude. Celle-ci est rétrospective. Elle concerne 70 yeux de 50 patients présentant un kératocone évolutif. L'exploration de la cornée par un OCT un mois après la procédure à la recherche d'une ligne de démarcation et le contrôle de la progression topographique en utilisant l'indice de suivi de Belin chaque 6 mois. Pour ce qui est de la technique, nous avons utilisé de la riboflavine PESHQ transépithéliale, un OCT de marque Revodoptopol, un topographe que vous connaissez tous, l'Oculus Pentacam, une antisclérale AKS à ODK, à haute transmissibilité à l'oxygène de 200, dans un diamètre de 15 mm, un volt que nous avons choisi de manière empirique, à l'aide de la profondeur de la chambre antérieure, auquel nous ajoutons la pachymétrie cornéenne et 400 micromètres. Pour ce qui est de l'appareil à cross-linking, c'est le Vega CPM X-Linker de CASO et avec un diamètre de 8 mm. Ce qui concerne la technique, nous adaptons l'œil du patient à l'aide d'une lentille sclérale emplie de 0,5 cc de riboflavine transépithéliale, la durée de l'imprégnation de 30 minutes dans des conditions de faible luminosité. La phase d'imprégnation est relativement confortable pour le patient. Elle n'est pas obligatoirement faite au sein du bloc opératoire. Le blépharostat n'est pas utilisé et le patient peut déambuler librement tout en restant dans un endroit où la luminosité est faible, en gardant les yeux ouverts, afin de favoriser une bonne oxygénation qui est primordiale du cross-linking. À suite de la phase d'imprégnation, le patient est exposé pendant 9 minutes aux UVA à 340 nanomètres à une fluorescence de 10 milliwatts par centimètre carré, c'est-à-dire que nous utilisons un protocole qui est accéléré. Ici, quelques schémas. Nous voyons sur l'image de gauche une photo en temps réel d'un patient et sur l'image de droite un schéma où nous voyons bien la lentille sclérale en bleu et qui est emplie de riboflavine qui est en contact de l'épithèle de la cornée. Ici, une image à partir d'une lampe à fente. Nous voyons bien que la lentille sclérale doit couvrir la cornée et le lin et surtout être très perméable à l'oxygène. Après 30 minutes d'imprégnation par la riboflavine transépithéliale, la lentille sclérale est retirée et nous vérifions régulièrement que la riboflavine a bien pénétré le stroma cornéen et parfois même la chambre antérieure. En ce qui concerne nos résultats,
Nous n'avons pas noté de prédominance de sexe. L'âge médian est de 21 ans, les extrêmes allant de 6 à 56 ans. La moyenne de la pachymétrie au point le plus fin est de 444 microns. Une ligne de démarcation n'est retrouvée que dans 36% des cas. Celle-ci se trouve à 299 plus ou moins 55 microns de profondeur à partir de l'épithélium et 146 plus ou moins 27 microns à partir de l'endothélium. Celle-ci est moins profonde et moins marquée que lors d'un cross-linking conventionnel. Une question qui nous a été posée, c'est pourquoi avoir envisagé cette méthode ? On essaie de lutter contre le gaspillage de riboflavine. Au départ, nous avons utilisé un support de lentilles de chirurgie vitréo-rétinienne, mais les mouvements du globe faisaient qu'il fallait renouveler la riboflavine régulièrement. Si l'on devait parler de nos résultats, quels sont ceux-ci ? Tout d'abord, l'absence de douleur pour le patient. Celle-ci est liée à l'absence de désépithélisation. Excusez-moi. Nous n'avons pas noté de haze cornéen significatif. Nous n'avons pas noté de progression de l'ectasie cornéenne à l'exception d'un cas qui a bénéficié d'un nouveau cross-linking avec de bonnes fuites post-opératoires. Nous avons un recul de 8,2 plus ou moins 2 mois et demi en utilisant le score ABCD de Belin. Nous envisageons pour la suite de notre étude la promotion de l'imprégnation par un milieu saturé en oxygène qui semble être un moyen prometteur pour améliorer les résultats de celui-ci. La véritable et principale question qui se pose pour nous en tant que praticiens après un cross-linking, c'est sa réussite, c'est-à-dire est-ce que nous avons freiné ou arrêté l'évolution du kératocone? Et le corollaire de cette question, c'est comment évaluer correctement le cross-linking? La véritable et principale question qui se pose pour nous en tant que praticiens après un cross-linking, c'est avons-nous réussi à freiner ou à stopper l'évolution du kératocone? Et le corollaire de cette question est quels sont les critères d'évaluation du cross-linking? À l'heure actuelle, l'évaluation de la prénation du kératocone est fondée sur l'analyse de l'évolution topo et tomographique dans le temps. Dans la majorité des cas et dans la majorité des études, le critère des études est le SIMKA-MAX. Ce critère est néanmoins imparfait et la kératométrie au point le plus cambré et l'épaisseur au point le plus fin seraient probablement de meilleurs marqueurs. La ligne de démarcation est-elle un marqueur nécessaire? Celle-ci a été décrite pour la première fois par Seller et Havzi comme étant une fine ligne visible en biomicroscopie à une profondeur d'environ 300 microns 2 semaines après un cross-linking conventionnel. Elle a été visualisée en OCT pour la première fois par Dorset et ses collaborateurs. Elle correspond à la limite en profondeur de l'apoptose kératocytaire. Sa profondeur dépend du protocole utilisé. Plus le protocole est long, plus la ligne est profonde. Néanmoins, d'autres marqueurs existent. Tout d'abord en microscopie confocale, à travers la constatation d'une déplétion des plexus nerveux avec disparition de la visibilité des noyaux des kératocytes qui se voient 6 à 12 mois après cross-linking, quelle que soit la technique utilisée. D'autre part, dans notre pratique quotidienne, nous avons remarqué que bon nombre de patients décrivent une baisse très importante des frottements sur l'œil traité. Nous avons des patients chez qui nous avons fait le cross-linking au niveau d'un seul œil et qui décrivent une nette diminution des frottements au niveau de l'œil traité comparativement à l'œil qui ne l'est pas. En routine, au sein de notre clinique, le CXL est évalué à l'orée de 3 critères. Tout d'abord biométrique, topo et tomographique, titulaire par la réflectivité à l'OCT et comportemental avec les frottements oculaires. Au cours de notre recherche bibliographique, nous avons trouvé 3 études utilisant des lentilles sclérales lors de la phase d'imprégnation. Une étude mexicaine, une étude brésilienne et une étude en collaboration entre les États-Unis et la République dominicaine. Si l'on devait bien sûr comparer notre étude, les conclusions suivantes s'imposent. Le nombre de cas est significativement plus important au cours de notre étude. Nous avons utilisé la lentille sclérale ayant le plus haut des cas compte tenu de l'importance de l'oxygénation cornéenne au cours du cross-linking. Au cours des 2 études utilisant de la riboflavine transépithéliale sans désépithélisation, nous retrouvons des lignes de démarcation plus profondes que dans les études où l'épithélium est retiré. La réponse que nous donnons face à ces résultats qui peuvent paraître paradoxaux correspond à la durée d'imprégnation qui est plus faible au cours de ces études et donc la pénétration cornéenne est moins importante. Nous avons préféré ne pas accélérer le cross-linking en dessous de 9 minutes afin de maintenir une bonne oxygénation de la cornée.
L'ensemble des études démontre l'efficacité du cross-linking utilisant une lentille sclérale pour l'imprégnation. Maintenant, dans un autre registre, et cela fait débat même au sein des praticiens de la clinique, si l'on devait comparer le cross-linking EPI-OFF puis EPI-ON, c'est-à-dire le cross-linking transépithélial et le cross-linking avec ablation d'épithélium, nous retrouvons les conclusions suivantes. Une efficacité semblable sur le plan de la stabilisation pachymétrique et kératométrique, une moindre efficacité du cross-linking transépithélial au niveau abérométrique et on constate une absence d'aplatissement cornéen que nous retrouvons souvent lors du cross-linking conventionnel. Le docteur Jin Yuhang du département d'ophtalmologie de l'université de Fudan à Shanghai a fait une méta-analyse de la littérature sur 8 articles qu'il a trouvé pertinents. Cette méta-analyse repose sur la comparaison de 228 patients qui ont bénéficié de cross-linking conventionnel versus 228 patients qui ont bénéficié de cross-linking transépithélial. L'efficacité à un an est similaire sur la progression, avec une diminution du cas masse qui est significativement plus importante dans le groupe des patients qui ont bénéficié d'un cross-linking conventionnel. Le suivi est néanmoins globalement trop court pour statuer. En conclusion, l'utilisation de la lentille sclérale au cours d'un cross-linking transépithélial est efficace, simple, sécurisée. Elle est économique, moins de gaspillage de riboflavine et présente un gain de temps substantiel. L'avenir, un cross-linking EPI-ON accéléré, plus personnalisé, devrait progressivement émerger, jouant sur une localisation topographique plus sélective, une profondeur d'interaction plus pertinente et ajustée à l'investissement cornéen qui est variable au niveau de la cornée. L'utilisation des techniques modernes d'imagerie, microscopie confocale et autres, permettant d'analyser la cornée au niveau cellulaire, ces derniers joueront un rôle clé dans l'évaluation du succès de la procédure. Et je vous remercie pour votre attention. Voici l'image de notre équipe qui s'est agrandie cette année.